Pendant 3 ans, un homme simple s'est entouré de 12 hommes pour les enseigner. Il a guéri des hommes et des femmes et expliqué le ciel à la population. Cet homme n'était peut-être pas si simple que ça. Son histoire a fait le tour du monde et des milliards de personnes ont écouté sa parole. Un homme, peut-être plus qu'un homme, on parle d'un dieu. Il nous parlait d'un monde un peu magique, un paradis, où il n'y aurait plus de souffrance et un monde où Dieu est roi. Un monde où Jésus est roi, un monde où l'amour est roi, un monde rempli de sentiments d'amour. Un monde où celui qui aura été le plus petit, le plus simple, le plus humble, sera élevé plus haut que les anges, ce qui ne plaît pas à Satan. Même Jésus a été rabaissé pour montrer l'exemple. Il était capable de créer des soleils 1000 fois plus grands que la Terre, capable de créer des univers avec des milliers de terres et de soleils, et il n'arrivait pas à soulever une croix. Cette croix avait le poids des péchés du monde et des hommes. Cette croix a blessé l'épaule de Jésus, qu'elle était lourde, cette croix. Nuage, miracle. Si vous ouvrez vos yeux et votre cœur, vous pouvez voir un ange avec les deux bras en avant. Et un peu plus loin, le visage de Jésus. Bon, j'avoue, c'est pas facile à voir, mais avec un peu de bonne volonté, on y arrive. Pour voir d'autres miracles, ça se passe dans la zone blanche en cliquant sur l'image. Et dans la zone rouge, vous pouvez voir la dernière vidéo. Si cela vous a vraiment intéressé, vous pouvez vous abonner en suivant la flèche rouge.